ce qu'on va faire aujourd'hui, on va publier sur Netlify. On va avoir en local une application React qui va appeler notre back-end Heroku qu'on a fait la semaine dernière. Ensuite, on va publier sur GitHub. Et à partir du GitHub, on va publier une copie de ce qu'on a fait en React sur notre ordinateur, sur Netlify. Et que Netlify va se connecter en local sur Heroku, et ben quand il sera en ligne, il va faire pareil, il va aussi se connecter en local, en production sur le Heroku. Ok. Alors, pour démarrer un projet React, il nous faut Node.js comme d'habitude. Et on va utiliser directement le. On va aller sur la documentation React.js. Getting start. Il est là le getting. Et il donne, j'imagine, les bases. Est-ce que il comment installer à practice step by step tutorial. Ah, ça c'est pour apprendre les concepts de React. Peut-être qu'on va regarder ça après. La documentation de React est très bien faite. Et d'ailleurs, elle est en français aussi dans le texte. Eux et celle est avec l'anglais. Je ne me rappelle plus où c'est dans la documentation. On va démarrer. Ah oui, je voulais vous parler. Je vais le mettre à la fin. À la fin. Live. Outils Discovery. Après. Ok, allez, c'est parti. Ça parle beaucoup. Donc pour démarrer une application avec React, ce que vous allez faire, c'est utiliser le template déjà fait par l'équipe React qui s'appelle Create React App. Et pour l'installer, d'accord, merci Julie. Bon bah Julie vous a mis un lien du. En gros, j'avais juste à chercher une recherche Create React App. Voilà, on va faire ça. Et donc, d'habitude, on utilise tout le temps NPM pour démarrer un projet NPM. Et là, on va faire NPX. Pourquoi? Parce que NPX, ça va exécuter le Create React App. Parce qu'en fait, Create React App, c'est. Avant, ça s'installait et c'était une ligne de commande qu'on utilisait. Et ben, quand on a une ligne de commande, vous pouvez directement l'exécuter via NPX. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. On va exécuter Create React App directement à partir de NPM. Et ensuite, on va lui donner un nom. Et donc là, vu que je suis déjà dans mon projet feedback, je vais l'appeler client. Alors, ce projet feedback, on va la partie de la semaine dernière, on va pas la toucher. On va pas la toucher parce que elle est déjà faite et elle est déjà publiée. On va aller dans le dossier client et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je suis en train de penser. Par exemple, dans. Je vais faire un. Voilà. Pour le code share, je rappelle. De créer un module qui va vous permettre d'uploader votre code pour m'aider. Donc dans la deuxième partie, je vais faire deux choses. Je vais faire une page de listing de l'API de la semaine dernière pour lister ici tous les feedbacks. Et l'autre partie, API Réunion. J'ai vu. Merci, Codeur Apprenti. Donc, je vais faire un truc pour lister, une page pour lister tout ça, et une autre page pour envoyer un formulaire à, enfin, pour envoyer des informations pour créer un nouveau feedback. Donc, si ça vous tente, j'aimerais trois choses venant de vous. Pendant le live, proposer quelque chose.
Ça serait trois choses. Soit la page, alors les pages, ça va être assez long. La page forme, la page listing. Ou sinon, le module fetch, module API plutôt, qui va envoyer des informations. Et ça sera plus simple. L'API pour envoyer Eric. Module API, pareil, il va faire deux choses. Envoyer nouveau pack. Et vous pouvez envoyer dessus, hein, c'est pas grave si ça. Enfin, envoyer dessus, hein, n'hésitez pas à le faire pour tester. Ou récupérer la liste des feedbacks. Voilà, comme ça. Si ça vous dit pendant le live, si il y a des choses que vous connaissez. Eh ben, vous pouvez directement préparer ce petit bout de code et me l'envoyer comme ça, je récupère votre code pendant le live. Ok, j'ai pas compris, c'était quoi que vous avez fait la semaine dernière, le back-end de quel type d'app? Alors, je répète, on va faire une app de type salut, salut Laetitia, comment vas-tu? Non, non, sois pas désolé, on commence à peine. Juste de faire un NPX Create React App. Donc je réexplique puisque en plus vient d'arriver. On va faire une application de type Reddit. Donc Reddit c'est quoi? C'est une liste de posts envoyés par des utilisateurs et chaque post envoyé par les utilisateurs, on peut les upvoter, rajouter un plus un pour dire j'aime bien ce post. Eh bien, on va faire la même chose, mais avec des feedbacks, des suggestions, des lives pour Code Discovery. Donc, par exemple, vous voulez voir un live sur du PHP, eh bien, vous envoyez sur l'application le formulaire pour envoyer un post pour faire une suggestion. Et cette suggestion, après, je vais la voir apparaître dans la liste et d'autres personnes pourront upvoter cette suggestion. Voilà. Donc ça sera pour les lives et pour plein d'autres choses. Ouais. C'est ça. PHP, taper 1. JavaScript 2. Ok. Donc, et cette fois, donc la semaine dernière, on a fait le back-end. Cette semaine, on va faire le front-end. Let's go. Donc, on a un dossier client. Et avant ça, on va commencer à voir rapidement ce qui est React parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous connaissez à peu près. Et comme on a pas mal de taf à faire pour mettre ça en place aujourd'hui, donc on va aller relativement vite. Mais comme d'habitude, si vous voulez plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment pour vous. Donc si vous sentez que ça va trop vite, vous ne comprenez pas. Alors, bah, je ralentis et j'explique en détail. Donc, première chose, en fait, là, le Create React App, il crée directement un projet. Donc, on va enlever le gitignore. Enfin, on ne va pas l'enlever. On va updater notre gitignore en fonction du git. En fait, oui, on va l'enlever. Donc, je vais faire en sorte que le node module soit. Ouais, je vais l'enlever. Gitignore. Hop. Voilà. Donc, notre node module. Et d'ailleurs, il a aussi créé un fichier git.git. Donc, je vais l'enlever rm-rf client.git. Donc, le dossier, il n'apparaît pas. Il a été créé. Intérieur, et parce que la petite erreur que vous avez vu apparaître, c'est parce que j'ai plein de dossiers Git à l'intérieur de mon dossier. Donc, là, je rends. Pourquoi mon node module, il n'est pas ignoré? Ignoré? Ok. Bon, les nodes modules sont ignorés, super. On va ignorer le dossier build aussi. Parce que à la fin, on va faire un build. Quoique avec. Netlify, je sais pas. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé Netlify. On va voir ce que ça va donner.
Ah, donc client, node module, on va ignorer tout ça. En pas. Client. Bon, c'est peut-être une question de d'update. On verra ça après. Et c'est pas. Ouais. Personne. Normalement, ça devrait. Sais pas pourquoi il est. Non, mais je pense que normalement, on est bon. Allez, on enchaîne. Donc là, j'ai ignoré les fichiers que je vais uploader. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les node modules, ils sont chargés automatiquement par l'application. Et là, on va faire du client. Donc le client, on va le build directement. Et comme on va le build, eh ben, on verra ce que Netlify nous pas trop comment ça va fonctionner. Mais normalement, quand on le build, il va utiliser les node modules pour le build. Mais après, il n'en aura plus besoin puisque tout sera intégré dans un gros fichier tout fait. Donc, on va ignorer tout ça. Comme ça, on va pas uploader sur notre hub. Ensuite, dans le dossier React, on a le dossier public qui est déjà fait par défaut. Et ce dossier public, en général, vous ne changez rien dessus, à part peut-être l'index. Certains me diront que je ne l'ai pas fait pour mon projet code cher. Et là, on va l'appeler feedback. Feedback discovery. Et c'est la seule chose que vous feriez en général sur ce fichier qui va être votre backbone, votre template de fichier HTML. Vous voyez, il y a juste un dossier, en HTML, il y a juste un ID root et c'est ce React va s'attacher à ça et tout le code React va vivre à l'intérieur de cette balise. C'est tout. React ne crée pas fichier HTML de base, mais il va créer des éléments dans le body de notre page. Ensuite, le reste c'est anecdotique, il n'y a pas trop besoin de savoir ça. Ensuite, dans React, ce qui va être important, c'est le SRC. Dans le SRC, donc le dossier source, on va avoir des fichiers déjà préparés. On va. Alors, je ne connais pas trop d'ailleurs les Word Web Vitals, c'est assez récent, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc, toutes les applications React vont fonctionner de cette manière. Vous allez dans le dossier, dans le fichier index du dossier SRC. Et ça va créer le dossier de base, le fichier de base qui va attacher le fichier HTML qu'on vient de voir à React. Et en fait, il va importer React, il va importer le React DOM. Le React DOM, c'est ce qui va faire le lien entre React et le DOM. Et ici, il va importer un peu de CSS pour le style. Il va importer un composant app qu'on va voir juste après. N'importe les Web Vitals, bah justement c'est écrit. Si vous voulez commencer à mesurer les performances de votre application, passez cette application dans envoyer à un analytique. Et donc c'est pour mesurer les performances. Donc voilà, au moins vous savez à quoi ça sert. Et une fois qu'on a chargé le React DOM, on va faire un render. On va appliquer un rendu sur la page où on va envoyer l'app, on va voir juste après. Cette app, on va l'insérer dans l'élément document.getElementById, qui est l'ID root qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme ça que l'app va être insérée. L'app va être insérée ici à l'intérieur du ID root. Et donc l'app, qu'est-ce que c'est? Il est ici. De la même manière, il va importer un fichier SVG, donc on peut importer des SVG, importer un CSS, et on va créer un composant. Donc voici un composant React. Et ce composant, on va l'exporter pour qu'il soit disponible via l'import ici. Dès qu'on fait un export, c'est pour que ça puisse être importé derrière et disponible dans toute l'application. Donc ce composant, on l'a appelé app.
C'est ce qu'on appelle une function component, puisque c'est une fonction qui retourne du JSX. Alors le JSX, c'est quoi? Ben, c'est ça. Ce n'est pas de l'HTML. Ce que vous voyez ici, c'est du JSX. React va avoir une manière. Ah, le JSX, ce n'est pas React. On va voir ça. Donc d'ailleurs, on l'a vu rapidement sur la page d'avant. React, c'est ça qu'il fait. Quand il veut créer une div, il va écrire React.create element, la div et le class name dans la div. Et à l'intérieur, dans les children, il va ajouter un autre React element. Et c'est assez verbeux à écrire, c'est assez long. Le JSX nous permet d'écrire du code qui ressemble à de l'HTML, mais qui n'en est pas. Pourquoi? Parce que si c'était de l'HTML, on pourrait écrire classe. Mais classe, c'est un. En fait, JSX, c'est du XML en JavaScript. Et comme c'est du JavaScript, en vrai, le JSX, le mot classe est un mot clé dans JavaScript. Donc, on ne peut pas écrire classe, class name. Et ben pour on va démarrer notre application, on va aller dans le on va faire cd client puisque c'est le dossier qu'on a créé. Dans ce dossier client, on va faire npm start. Vous vous rappelez, npm start, on l'a vu la semaine dernière. Ça nous a permis de démarrer notre projet backend. Et ben c'est la même chose. Dès qu'on a un dossier node, on va dès qu'on a du node, on va souvent utiliser le npm start parce que c'est la convention. Et là, vous voyez, on a notre premier projet, Youpi, qui est lancé en React. Donc, très rapidement, on a le app CSS. Et regardez l'index JS, on l'a vu. Le index CSS, il va setup dans le body, margin 0, la font family par défaut de l'application et une balise code. Ensuite, le app.css, il va setup une classe app logo, app-logo et une classe app header. Et ensuite, ah, je sais même pas c'est quoi cette media query. Ok. Et il va setup différents CSS. Eh bien, nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer ce CSS et donc tout va apparaître ici. Donc, regardez, je vais aller dans mon CSS ici et je vais changer la couleur de fond. Red. Quand je vais sauvegarder, 3, 2, 1, je sauvegarde, on a un live reload de notre code. Donc, ça, c'est vraiment cool d'avoir du live reload. Donc bah d'ailleurs on avait déjà du live reload quand on faisait du HTML CSS classique, et là on l'a aussi avec React. Donc ça c'est vraiment cool. On va remettre la couleur classique et en gros on peut tout changer. Et de la même manière on va tout changer ici avec React. Donc je vais tout enlever et on va se créer un premier. On va se créer un composant et je vais vous expliquer les props. Je vais filer l'adresse de ton API, s'il te plaît. Oui, Codiscovery. Alors, je l'ai là. Hop, voilà. Et pour envoyer un, c'est slash feedbacks. Post axe un get feedbacks sont les deux qui sont disponibles. Tu regardes dans le get feedbacks et dans le get feedbacks, tu verras ce qu'il faut envoyer dans le post feedbacks. Je laisse regarder ça. Ok, donc j'ai tout effacé. Si je sauvegarde, je vais avoir une erreur. Et je vais écrire un JSX par défaut.
Voilà, donc là j'ai plus d'erreur parce que j'ai mis quelque chose. À savoir dans React, quand vous faites un return de votre. On va tout effacer comme ça. Hop. Donc je vais importer. Donc on n'a pas besoin d'importer React ici. Quoique si... tout à l'heure on en aura besoin. Donc pour l'instant je vais rien importer. Je vais créer ma donc, function app. Je vais l'appeler app. Souvent on va appeler le composant du même nom que le fichier. Donc et tous les composants sont en majuscule dans React. C'est une convention, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc fonction app ici et je vais tout de suite exporter export default app pour ne pas oublier. Ça c'est vraiment le truc classique. Dès que vous avez un composant, exportez-le pour qu'il soit disponible par d'autres pour d'autres composants dans l'application. Rappelez-vous, l'index.js. Index.js ici fait appel à app. Donc on a besoin d'exporter app pour que l'index.js l'utilise. Ensuite, notre composant va return, renvoyer du JSX pour afficher quelque chose sur la page. Donc dans votre return, il faut que vous ayez tout le temps un seul nœud. Vous ne pouvez pas mettre deux nœuds dans React. Vous ne pouvez pas mettre deux nœuds adjacents dans React. Là, vous voyez, il me dit que il y a une erreur. Parfait. Et il me dit JS Expressions must have one parent element. Donc, on doit tout le temps avoir un seul parent élément. Donc, vous mettez une div qui contient le tout. Et à l'intérieur de votre div, vous rajoutez ce que vous voulez. Là, on va mettre code discovery feedback. Rafraîchis. Et là, vous voyez, ça apparaît ici. Discovery feedback parfait. Ensuite, je vais effacer mon app CSS ici puisque je n'utilise plus du tout ce que je faisais là. Et ce que je vais faire, je vais créer app et ça, c'est la convention qu'on utilisera, c'est de mettre le nom du composant dans le nom de la classe. Donc app title et on va mettre text center. Pardon, text align, enter. Et donc j'ai créé une classe, et ben cette classe, fermez ça, cette classe, hop, je vais l'ajouter ici avec class name égale app avec un A majuscule title. Et ça va centrer. Alors non, ça va pas le centrer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas importé mon CSS. Import app.css point slash pardon. Merci de me donner plein de feedback sur mes erreurs. Comme ça, je peux comprendre ce que je fais de mauvais. Donc ça, c'est super cool. Donc non, pardon. Le class name, il est au mauvais endroit. C'est ici que je le veux. Ensuite, ici, je mets un class container. Et dans mon app, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un composant. Et ben, ce composant, je vais l'appeler liste. Que je veux avoir ma liste de feedback. Alors vous, ouais, je vais faire ça. On va pas vraiment faire le composant liste. On va juste essayer de comprendre comment ça fonctionne les composants dans les composants. Et d'ailleurs, on va faire autre chose comme composant pour que ça soit plus simple. On va faire un counter, tout simplement. Donc, je vais créer un counter qui va être div class name. On va pas mettre de class name. Dans ce counter, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va afficher un chiffre de. Pas faire un... le counter, on va le faire quand on va montrer les states. Donc on va faire un c'est pas un composant qui va afficher une card. Voilà, une card avec le titre et la date du jour. Import pardon. Ouais, d'abord créer ça. Donc
je crée un H2. Le H2, il va avoir mon titre. Donc, on est mercredi. Ça va avoir le jour. Et ensuite, dans la balise P, on va avoir la date. Sauvegarde et je vois mercredi 10. Et le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais avoir, c'est afficher plusieurs composants avec jeudi. Et le 11, et les afficher les uns à la suite des autres. Et là, alors je fais très simple, mais vous voyez que je répète exactement la même structure deux fois. Et la seule chose qui change, ça va être le titre ici, le jour, mercredi, et la date, le 10. Et bien, quand je vois que je répète des choses plein de fois dans mon code, et bien je vais créer un composant. D'autant plus, regardez, un autre truc qui peut être assez intéressant, c'est que je vais avoir classname est égal pour l'instant app day app day et date. Là, vous voyez, on a encore plus de choses qui sont que je dois dupliquer pour reproduire le code. Je vais dans mon CSS, je vais lui dire par exemple, pareil, app day container. Donc, je répète plein de choses, vous allez comprendre pourquoi. App et container. Et je lui dis border 1px black solid. Lead. Avec un border radius de 5px. Et chacune de mes boîtes va avoir une bordure. Un margin de 10 px autour à tout ça, on le voit bien, super. Et ensuite mettre un text align center. Donc ce qui est embêtant avec ça, c'est que je dois répéter pour avoir un nouveau composant qui a exactement la même chose. Et ben, je vais faire H2, je vais mettre body, et ensuite je vais mettre P, et donc je vais écrire tout ça là, et 12. Et quand je vais le faire, ben, il ne va pas avoir le même style. Donc, on va utiliser des composants qui vont avoir tout le temps les mêmes fonctionnalités et les mêmes styles à afficher. Là, on ne fait que l'affichage pour faire simple. On va faire des fonctionnalités. Hein. Mais là, ça sera dans la deuxième partie. Donc, on va créer un composant qui va s'appeler day. Import day from slash day. Voilà. Donc, on va créer ce composant parce qu'on est en train de l'importer sous un nom. Mais il n'existe pas. Voilà. Donc, j'ai sauvegardé. Ça m'a créé une erreur. Donc, day.yes. Et de la même manière, si j'ai créé un day.js, j'ai créé un day.css pour avoir le CSS qui va être accroché, qui va être dépendant, pardon, de ça. Donc, comme on a dit, on va prendre day pour avoir le nom générique. Et ensuite, ici, on va créer un composant. Donc, pour créer un composant, function day. Alors, et ensuite, export default. Je le fais tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Ça, c'est. Voilà, vous avez besoin de ça. Return. Ça, c'est la base avec une div. C'est la base du code dont vous avez besoin pour démarrer un composant React. Ensuite, je vais récupérer
toute la base ici. Et je vais changer. Day. Day, day. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'appeler, d'écrire le JSX, je vais appeler mon composant et j'ai rien à mettre à l'intérieur, donc c'est un self-closing tag, valise auto-fermante. Et là, vous voyez, hop, là, le jeudi qui apparaît. Sauf que, comme tout à l'heure, j'ai oublié d'importer CSS, donc import. Slash day.css. Et là, vous voyez que mon composant, il a déjà tout pris et je peux le dupliquer plein de fois et hop, c'est dupliqué. Par contre, vous remarquerez que je n'ai pas les informations à l'intérieur. Donc pour ça, là, je vais tout effacer, j'en ai plus besoin. Pour ça, on va utiliser le concept de propriété. Les propriétés, ça appartient à un composant qu'on envoie du composant parent. Parce que le parent ici, c'est app. App contient day. Donc mon parent, c'est app. Il va envoyer à day des informations. Je vais lui envoyer day est égal mercredi. Et date est égal. Et là, si j'envoie un chiffre, je vais dans mon attribut, je vais lui mettre des crochets pour pouvoir mettre du code JavaScript. Donc il n'y a que lorsqu'on écrit un string, on n'est pas obligé de mettre les crochets, mais par défaut, ça fonctionne comme ça. Les accolades, pardon, merci. Accolades. Et donc maintenant, je vais envoyer, donc c'est mercredi 10, et je vais envoyer, donc je garde exprès l'accolade ici pour que vous voyez que c'est optionnel. Jeudi 11, duplique vendredi 12 et pas le vendredi 13. Quel dommage. Je sauvegarde et là j'ai quand même trois fois jeudi 11. Pourquoi? Parce que maintenant que mon parent a envoyé les informations, il faut que mon enfant les récupère. Et pour récupérer les informations de l'enfant, l'enfant avec React, et ça c'est automatique par React, il va récupérer ici dans le dans la signature, dans le dans les paramètres, il va récupérer un objet qui va s'appeler props. Et dans les props, eh bien on va avoir props. Day, props.date parce que j'ai envoyé ici des attributs qui vont être mes propriétés de mon enfant. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. Et donc pour appeler du code JavaScript dans le JSX, chose importante, c'est qu'on va mettre des accolades. Je vais faire props.day et props.date. Je sauvegarde et regardez, voilà, ça a bien récupéré les informations qui sont envoyées par le parent. Donc là, avec React, on a deux composants et on joue avec les props. Et comme ça, nous, on n'a plus qu'à appeler directement les props en amont et on n'a pas à gérer le style. Tout se fait dans ce composant. Et si on veut changer un truc dans le style, ici, je veux que mon day date, day, pardon, soit en full caps, en majuscule. Donc, texte transform uppercase, comme ça, tout sera tout le temps en majuscule. Et ça, je le gère directement sur un composant. Et ça le fait pour tous les autres, dès qu'ils sont appelés. Donc, ça, c'est super cool. Et cette modularité de composants, ça fonctionne pareil avec Angular et Vue et Svelte. Donc c'est vraiment un principe des single page application, pas uniquement de React. Mais en React, ça fonctionne comme ça. Voilà. Maintenant, on va voir une dernière chose et on va terminer la partie 1 avec ça. C'est que
Mon application, bah, elle est statique, hein. On dirait un site web, quoi. J'ai juste affiché des informations, je peux rien faire avec. Avec React et toutes les single page applications, on va voir ce qu'on appelle des states. Et à différencier avec les props. Les props, c'est des propriétés, des choses qui sont, une fois qu'elles sont définies par le parent, elles ne bougent pas. Les states, c'est changeant. C'est flottant, ça va tout le temps changer. Et donc, on va prendre un petit exemple pour gérer les states. On va aller dans l'app, on va créer un compteur. Donc, pour utiliser des states en React Hooks, donc la version, à partir de la version 16, on va utiliser import dans le package React, donc from React, on va importer use state. Dès que vous voyez use dans React, c'est que vous utilisez des hooks, on appelle des hooks. Donc le useState, ici, donc on l'a importé. Et maintenant, on va créer un state. Et ce state, hooks. Alors, je vais pas. Ouais, je sais pas. Retenez la syntaxe, il n'y a pas de. Y a un truc. C'est de la déstructuration qu'on fait. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir ça. Chaque useState que vous allez créer. Chaque state pardon que vous avez créé va se créer de la manière suivante. On crée une const. Donc en const, ça c'est important. Je crois que c'est quasi obligatoire. Const. Oui, il faut mettre des const. Const. Ensuite, on va lui donner le nom. Un nom qui est le nôtre. Donc ici, on va avoir un counter. Counter. Et on va avoir le setter. Set counter. La convention veut que vous appeliez votre state et ensuite set le state avec du camel case. Voilà, avec un C majuscule qui reprend exactement le nom du state. Et ensuite, on va définir dans useState, dans la fonction useState, la valeur par défaut de notre state. Et on veut que le state démarre à 1. Parce que ça va être un compteur qui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je m'embêtais à passer toutes les props sans paramètres. Ah oui, d'ailleurs, oui, pardon, j'ai oublié. Revenons sur le mieux, c'est ça. C'est qu'on va faire une déstructuration et qu'on va faire day, date. C'est beaucoup plus propre comme ça. Donc, oui, tu t'embêtais à le faire, mais c'est tellement plus propre que vaut mieux s'embêter à le faire. Mais après, sache que. Quand tu fais de la déstructuration, il faut que tu comprennes ça. Déstructuration veut dire objet. Donc s'il y a objet, je récupère props et props.day. C'est ça qu'il faut vraiment capter. Quand tu parles de déstructuration, c'est que tu as un objet derrière. Ensuite, counter. Donc, une chose qui est super importante, dès que vous avez votre state, il faut le mettre dans votre return. Afficher votre state. Parce que le but d'un state, c'est qu'il soit changé et qu'il s'affiche. Donc, affichez-le. Et donc, pour l'afficher, on va mettre un H3, counter, avec une balise P, dans laquelle on va afficher une variable. Pour afficher du code JavaScript dans le JSX, on se rappelle, on met bien les accolades et j'affiche counter. Et là, qu'est-ce que ça fait? Hop, ça met counter. D'ailleurs, je pourrais même réutiliser le day qui va pas le faire. Counter. Et si je mets la valeur par défaut, pas 12, et ben, vous voyez, au chargement, ça va mettre 12. Maintenant, le but, c'est que je rende mon application interactive et pas dynamique. Hein. Dynamique, c'est pour les serveurs. Interactive. Donc je vais créer un bouton et ce bouton, ça sera un bouton plus. Et je vais dire que lorsque je clique sur le bouton plus, eh bien, je vais augmenter la valeur de mon compteur. Eh bien, pour ça, je vais faire onClick sur le bouton. À noter qu'en React, le onClick, tous les événements, c'est en camel case, donc onClick avec un C majuscule, qui va attendre une fonction. Et cette fonction, soit on la met ici,
Et dans cette fonction, je vais lui mettre set counter et je vais lui donner la nouvelle valeur de counter. Je vais lui dire 2. Pas et. 2. Donc je vais cliquer sur plus. Hop. Et ça passe bien à 2. Si je reclique, bah, j'ai dit que mon compteur il repassait à 2. Donc ça va pas changer. Ce que je vais faire pour que ça soit intelligent, je vais lui dire, tu vas prendre le counter et tu vas lui rajouter 1. Counter plus 1. Et donc, je rafraîchis. Plus 1, plus 1, plus 1. Super. On a utilisé nos states. Et de la même manière, on va faire le contraire avec un bouton moins. Et donc je fais plus, 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 moins, moins, moins. Voilà, on a géré les states en React. Donc c'est fini. C'était vraiment pour voir rapidement les. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery. Et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est générique at codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche. Et là, je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois, elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.